qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, ce pays, ce pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Après cette introduction fabuleuse, nous nous retrouvons dans The Legend of Zelda Wind Waker, non pas pour un vidéotest, mais pour la vidéo, tant attendue, Fichtre 9 ans, vain dieu. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour parler de la chaîne L'horizon est droit devant nous. Voilà, une intro à l'arrache. Voilà, on va se balader. Je trouve que j'ai trouvé que c'était pas mal ce jeu-là, en fond, pour pouvoir parler de l'actualité de la chaîne, de l'avenir de la chaîne Oliver Flav, de l'avenir aussi de la chaîne Oliver Plasma. Et d'ailleurs, je vais principalement... Enfin, je vais parler au début de la chaîne Oliver Plasma. Car... Vous voulez ne pas tourner autour du pot trop longtemps. Pourquoi il y avait très peu de contenu sur la chaîne Oliver Flav? Tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Alors, il n'y avait aucun contenu aussi sur Oliver Plasma. Mais beaucoup de préparation pour la chaîne Oliver Plasma. Car j'ai pas mal communiqué avec la communauté Netophonix. Quelques membres de la communauté Netophonix. Qui sont partants pour pouvoir m'aider dans mon projet de faire une saga MP3 assez ambitieuse qui comportera une bonne vingtaine d'épisodes. Alors encore c'est minimum une vingtaine d'épisodes, hein. Je n'ai pas encore tout écrit. D'ailleurs il y a en même temps un membre de la communauté qui m'aide un petit peu dans la formulation des phrases, quelquefois. Vu que lui, c'est son métier à côté. Hein. Il est écrivain. Enfin, il écrit des livres audio. Donc, forcément, il a un petit peu d'expérience là-dessus. Et moi, en même temps, bah, je l'aide un petit peu dans le rythme, parce que il veut créer lui-même une saga MP3 alias série audio. Et voilà, une série audio, entre une série audio et un livre audio, ce n'est pas la même chose. Un livre audio, évidemment, il faut que ça soit écrit comme un roman. Donc avec souvent du passé simple, un langage assez soutenu. Alors que une série audio, c'est plus un langage courant pour montrer que voilà, ça se passe dès maintenant, que c'est plus du visuel... Sans que ça soit vraiment du visuel, parce que c'est que de l'audio. C'est comme si on regardait un film seulement en l'écoutant. Voilà. Plutôt qu'on écoutait un film, finalement. Voilà. Je me contredis à moitié. Voilà. La météo, on n'est pas gâté, hein, au niveau de la météo. C'est un peu une catastrophe. Mais bon, on va faire avec. En tout cas, voilà, gros projet sur une grosse saga MP3. En tout cas, j'ai 3 sagas MP3. Ah. Une quatrième, mais bon, ça n'arrivera pas, je pense, avant 2023. Mais il y aura le trailer de cette saga MP3 à Noël. Donc, grosse surprise sur la chaîne Oliver Plasma à ce sujet. Il y aura une petite vidéo, un petit trailer qui durera à peu près de 3 à 5 minutes gros maximum. Le trailer d'une saga MP3 qui ne verra pas le jour avant 2023. Voilà. Je ne veux pas vous décevoir, mais bon là, je ne peux pas faire autrement. Mais il y aura peut-être, alors là par contre je dis bien peut-être, mais je ne suis pas sûr. Le trailer de la grosse saga MP3 de 2022. J'en avais parlé déjà fin 2020, enfin quand je parlais de l'avenir de la chaîne Oliver Plasma sur la chaîne Oliver Plasma. D'ailleurs cette vidéo, j'hésite à la supprimer parce que... Ah, fichtre. J'hésite à la supprimer parce que elle n'est plus vraiment à jour, parce que j'avais fait des promesses
que je n'avais pas tenu. Que je n'ai pas tenu. Car à la base, voilà, la grosse saga MP3 de 2022, elle aurait dû sortir déjà, enfin il aurait dû y avoir au moins un petit échantillon, 2-3 épisodes, en 2021. Finalement, il n'y en a pas eu. Par manque de temps, le travail, les sorties, tout ça. Alors moi, je fais tout ça bénévolement, hein, ce n'est pas mon boulot. À côté de ça, j'ai un vrai travail, et du coup, bah forcément, le rythme, voilà, n'est pas très assuré de l'avancement de la chaîne Oliver Plasma, des futurs projets. Mais, en tout cas, ça se stabilise un petit peu, car, voilà, vu que j'ai pas mal travaillé avec la communauté de Netophonix, qui sont vraiment d'une gentillesse incroyable. C'est une communauté qui s'entraide. Ça change de jeuxvideo.com. Affiche, je l'ai dit. Ça change de kebab.com. Voilà. Fiche. Je couperai au montage. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour Dracula XXL, voilà. Dracula XXL saison 1 est terminée depuis un petit moment. Et je vous avais publié un petit avant-goût de la saison 2, enfin l'introduction de la saison 2. Qui elle, par contre, n'est. Je pense qu'il y aura un peu de contenu sur cette saison 2 en 2022, mais il n'y aura pas l'intégralité de la saison 2. Bon, déjà, faut que je recontacte, j'avoue que. Je suis un peu gêné parce que j'avais perdu mon compte Discord, parce que c'est sur Discord après que je parle avec la communauté, etc. C'est un peu plus simple, même si je vais quelquefois aussi sur le site d'Etophonix. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. En fait, j'ai créé un nouveau compte Discord depuis 3-4 mois peut-être. Donc j'ai un peu perdu de vue le pseudo de celle qui m'avait aidé du coup pour faire le doublage dans Dracula XXL saison 2. Bon, évidemment, je vais quand même pouvoir la retrouver, hein. Mais voilà, j'ai mon ancien compte Discord, je l'ai perdu. C'est un peu stupide de ma part. Et donc voilà, tout dépendra aussi de sa disponibilité pour pouvoir avancer dans la saison 2. Évidemment, bah, je n'ai pas écrit grand chose depuis quand même pour cette saison 2. Je vais principalement prendre du temps sur la grosse saga. Qui comportera, voilà, une bonne vingtaine d'épisodes. Minimum, ça se trouve, il va y avoir une trentaine, hein, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est parce que je préfère écrire au fur et à mesure qu'on fait en même temps aussi le montage, les doublages, etc. C'est comme ça, au moins je serai bien à jour et il n'y aura pas trop d'incohérences. Voilà. J'essaierai le moins possible de fâcher. Enfin, j'espère hein, que je ne fâcherai pas les fans de ce jeu que je vais entre guillemets parodier, même si bon, c'est plus un hommage et c'est plus une sorte de réécriture. Et ça sera une saga MP3 vraiment très aventure avec un peu d'humour. Mais voilà, ça sera pas non plus complètement humoristique comme Dracula XXL saison 1, par exemple. Il y aura une limite. Et il y aura surtout de la cohérence. Et bref, voilà, donc ça sera courant 2022, cette saga MP3, le début de cette saga MP3. Pour parler le caïd, l'aventure est un peu suspendue, hein, de notre cher Parn. Alors, vous allez le retrouver sur Super LOL Saga.
bien entendu. Et bon, Super Lost Saga, on va en parler juste après. En tout cas, voilà. Ça sera début 2022. Alors peut-être, je dis bien peut-être, au mois de mars, il y aura peut-être l'épisode 1. Je ne suis pas sûr. Ça se trouve, ça sera un peu avant le mois de mars, mais bon. Comme ça peut être un peu après. Sachant que bah, l'épisode 1 est complètement écrit. Hein, le problème, c'est que c'est pour le doublage après. La disponibilité de chacun. Il y a quand même plusieurs doubleurs. On sera à peu près 5 doubleurs à faire. Voire 6 doubleurs à faire l'épisode 1. Ça va me changer de mon confort d'avant, voilà, de doubler tout seul. D'ailleurs, pour... je sais plus si je l'ai déjà dit, parce que bon, c'est ma deuxième prise. Pour la saga MP3 qui arrivera en courant 2023, celle où vous allez avoir sûr à 100% le trailer, à Noël, je le dis fort bien. Attendez, on va aller sur quelle île là, parce que... Là, on est en train de revenir sur l'île de l'horreur. Je vais me diriger vers l'île aux forêts, tiens. Très bien, l'île aux forêts. Ils ont quand même bien retravé les couleurs, hein, c'est cool. Ce petit remaster. D'ailleurs, je vous avais fait des vidéos sur ce The Legend of Zelda Wind Waker Remastered. Mais bon, le let's play en question, hein, bon. C'est sans surprise, hein, il est complètement annulé. Puis je ne compte pas continuer les let's play des Zelda. Par contre. Il y aura quand même des vidéos sur les Zelda, mais en vidéo test. Voilà. Ou avec, attention, un nouveau format. Ce nouveau format, c'est aussi c'est des sortes de tests. Mais ça s'appellera juste, je pense, des tests et non vidéo tests. Attendez, il y a un magnifique trésor. Enfin, quoique j'ai assez de thunes. Hein. Je suis au max à 5000, j'ai fini le jeu. Bon, pas de soucis. On se balade. Mais ça, je vais en parler aussi plus tard. En tout cas, voilà, pour revenir au sujet d'Oliver Plasma. Voilà, alors le trailer, ça ne sera pas le doublage définitif de la saga. Parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui double. Et sachant qu'il y a un personnage féminin dans... Enfin, il y a au moins un personnage féminin dans cette saga MP3. Eh bien, il y aura forcément une doubleuse. Parce que bon, je ne vais pas faire la même technique que pour Dracula XXL saison 1. Autant ça passait pour Dracula XXL, mais là... Là, je ne préfère pas. Et puis bon, c'est un peu passé de mode de faire une voix ridicule pour les personnages féminins. Voilà. Puis ça ressemble trop à Donjon de Nahulbeuk. Non pas que... Moi j'aime bien hein, Donjon de Nahulbeuk, hein, mais bon... Maintenant c'est un classique et c'est un petit peu vieux. Il faut un petit peu se renouveler. Bref, hop, on va s'accoster ici. Tac. On accoste proprement. Alors, je vais me balader. Hop. Hop. En tout cas, voilà, c'est tout pour la chaîne Oliver Plasma. J'ai fait à peu près le tout. On a à peu près à combien 14 minutes de vidéo déjà. 20 dieux. Mon objectif, c'est de faire moins d'une heure. J'espère que ça passera. J'espère. Sachant que... L'année dernière, je vous avais parlé, voilà, quand on avait fait sur Gravity Rush 2,
le fichtre 8 ans. 20 dieux. Cette skill magnifique. Sur fichtre 8 ans, on avait fait sur Gravity Rush 2. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo assez spéciale pour fichtre 9 ans. Ça sera pas forcément sur un jeu. Mais bon, au final, voilà, on est quand même dans The Legend of Zelda Wind Waker. Mais bon, ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes seulement sur la première partie de fichtre 9 ans. Car voilà, fichtre 9 ans sera fait en plusieurs parties. Ouais, j'ai déjà d'ailleurs retourné les parties suivantes. Enfin, en réalité, c'est qu'une partie en plus. Mais bon, la vidéo fait 3 heures. Donc je préfère découper ça en plusieurs parties. Hop. Et les autres parties, du coup, les parties suivantes après celle-là, ça sera des vidéos tout simplement sur le parcours de la chaîne Oliver Flav du tout début en septembre 2012 jusqu'à maintenant, avec tout le contenu qu'on a eu depuis, quelques anecdotes, etc. Alors, dit comme ça, ça ne fait pas rêver, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait ça. Et bon, j'avais envie de le faire, et puis bon, c'est toujours avec bonne humeur, et avec humour, attention, et maladresse, car bon, vous savez bien que Oliver Plasma est assez maladroit, surtout dans sa skill. Hop. Et bon, là par contre, voilà, cette première partie, je ne ferai pas de coupure. Et par contre, les parties suivantes, il y aura quelques coupures pour fluidifier, si je puis dire, un peu plus la vidéo. Enfin, les prochaines vidéos. C'est des fois en bafouille, tout ça. Hop. Allez, on va monter, on va s'amuser à monter. Ah, j'aime bien cette petite ambiance, la chaleureuse. De l'arbre beau jour. L'île aux forêts. Tac. Et du coup, par quoi commencer pour la chaîne Oliver Flav? Alors, bah déjà, Super LoL Saga. Voilà. Parce que forcément, l'introduction faisait référence à Super LoL Saga. Ça fait déjà... Attendez, je crois qu'on est à l'épisode 5. On est rendu à l'épisode 5, qui n'est pas encore sorti. L'épisode 5, vous allez rire, ça fait depuis... Ça fait depuis 3 mois facile, ça fait 4 mois que je l'ai déjà tourné. Je l'ai déjà tourné, mais par contre, je ne l'ai pas du tout monté. Voilà. Par flemme. Voilà, je ne me cache plus. Bon, d'un côté aussi, j'étais pas mal pris ces derniers temps. Puis après, voilà, Oliver Plasma, les projets, tout ça. Et puis bon, dans ma vie professionnelle, j'ai eu pas mal de déplacements. Loin de chez moi. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, même si maintenant, bah, dans ma vie professionnelle, là ça va être pendant très longtemps du bureau. Donc, il y aura moins de surprises, je pourrais avoir un peu plus de temps à consacrer pour mes deux chaînes. Mes deux chaînes YouTube. Mais je ne vous cache pas aussi que j'avais besoin d'une petite pause. Parce que je vous avoue que c'est assez éprouvant de faire des vidéos qui sont interminables à monter, comme les épisodes de Super LoL Saga. Mais je ne vais pas craquer, je ne vais pas faire comme la saison 1 des Super LoL Saga, où j'avais minimisé les montages, j'avais juste fait des coupures. Pour que ça soit un peu plus fluide, mais j'avais plus fait de montage, il n'y avait plus d'humour, enfin plus trop, c'était assez rare. Surtout vers le milieu de la saison 1. Alors que la saison 2, j'ai toujours gardé une bonne qualité de montage, avec une petite intro, des fois avec Marty et Doc, etc. En tout cas pour ceux qui ont suivi la saison 2. Les abonnés,
Ça a été une grande aventure. Je me suis quand même pas mal amusé à le faire, mais voilà, c'est assez éprouvant et très long à faire. Il faut vraiment avoir une... Il faut vraiment être très motivé pour pouvoir... pour pouvoir faire ça une fois par mois au moins. C'est vrai que la saison 2, je vous avais pas fait un rythme... très... je trouve pas mes mots. On va dire un rythme ponctuel, voilà. Ce n'est pas le mot exact, mais c'est pas grave. Ah purée, c'est... Le vent n'est pas du tout dans la bonne direction. Hop. Bon, après, je sais même pas pourquoi je vais aller là. On va redescendre. On va se balader sur le bateau. Ah, sinon, c'est du spoil, hein. Je risque d'être striké, là, par YouTube. Parce que je vous montre le deuxième donjon. Attention. Voilà, on a large le temps. Mais voilà. Super LOL Saga. C'est quand même assez éprouvant à monter. Alors, l'épisode 5, rassurez-vous. Il n'est pas loin. Il arrive. Il est un peu en retard. Hein. Parle le Kaïd aussi a pris un peu de vacances. Mais il arrivera. Alors. Bon. Je ne pense pas qu'il arrivera. En cette fin d'année 2021, hélas. Par contre, il y aura une autre grosse surprise de la chaîne Oliver Flav en fin 2021. Alors, c'est pas tellement une surprise parce que j'en avais parlé avec avec un abonné de la chaîne, ou alors peut-être juste qu'il a regardé la vidéo, mais un commentaire sur la chaîne Oliver Flav qui était très motivé pour que l'on fasse un let's play sur voilà. La saga Conflict Vietnam. Enfin, la saga Conflict, tout simplement. Ouais. Ah, je suis allé trop loin. Je n'ai pas fait gaffe. Pourtant, je vois tout sur le gamepad. 20 durs. C'est vraiment pratique d'ailleurs le gamepad pour ça. Mais par contre. Voilà, il voulait qu'on fasse, qu'on continue sur Conflict, mais attendez, c'est lequel? Desert Storm, voilà, c'est ça. Desert Storm 2, sachant que je n'ai même pas fait le 1, et que j'avais dans l'optique de faire un let's play, ou peut-être un live, mais bon, vu que la connexion internet c'est très compliqué chez moi, vaut mieux faire en let's play. J'avais fait des essais, hein, souvenez-vous. Des essais en 2020-2021. Enfin, quoique un tout petit peu en début 2021. Des lives. Mais bon, ça ne s'est pas hyper bien passé. Et puis au final, voilà, la 4G, un coup ça marche, un coup ça marche pas. C'est vraiment très hasardeux. Donc j'ai abandonné cette idée. Donc voilà, je reste maintenant avec mon ADSL, mais bon, c'est impossible de faire des lives, sauf sur des jeux en 2D, comme Castlevania, Dawn of Sorrow. Là, ça passe un petit peu, même si faut que la connexion soit stable. Alors, en été, la connexion n'était pas du tout stable, je sais pas pourquoi. Mais par contre, ces derniers temps, je suis assez étonné de la connexion, elle est vachement bonne. Je suis tout le temps... Enfin, vachement bonne pour de l'ADSL. Je suis tout le temps à 0,8 mégabits par seconde en upload. Et en téléchargement, je suis bon à 6 mégabits, c'est ça, 6 ou 7 mégabits. C'est pas exceptionnel. Mais bon, le minimum c'est 0,5 mégabits en upload. Et donc si on reste à 0,8, c'est suffisant pour moi, en tout cas pour pouvoir faire des lives sur des vieux jeux en 2D. En 3D c'est pas possible par contre, hein. La qualité serait immonde. Mais bon, je n'ai pas dans l'optique de faire à l'avenir des lives quand j'aurai la fibre, un jour. Si ça se trouve, si je suis vraiment très malheureux, je prendrai un abonnement Starlink. Mais bon, faut quand même avoir les moyens. 100 euros par mois,
C'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué. Attends, on va avancer un peu plus lentement. Il y a une petite île là-bas. Il en veut, mon capitaine. Et bref, voilà, j'ai... Par contre, j'ai dans l'optique de faire... De continuer un petit peu les let's play. Alors, je dis bien un petit peu. Et ça sera sur cette saga, voilà, les conflits. Donc, les deux Desert Storm et le conflit de Vietnam. Donc, naturellement, je vais continuer le let's play conflit de Vietnam. Pour cette fin d'année. Enfin, la première partie... Enfin, la première partie de cette suite sortira en, le 2 janvier. Ou plutôt le 1er janvier, ça sera un peu compliqué avec les fêtes et tout. Mais voilà. Assurément le 2 janvier. Donc voilà, je continuerai la suite. Car il y a eu quand même quelques demandes hein, sur la suite de ce let's play. Il y a très peu de youtubeurs qui ont fait un let's play sur Conflict Vietnam, donc voilà, ça m'a motivé à continuer, et puis... À l'époque, j'avais plutôt bien aimé les Desert Storm. Enfin, le premier, le deuxième, je l'avais pas fini. Mais j'étais rendu assez loin. Enfin, je ne sais plus vraiment, je ne m'en souviens quasiment plus. Hein. Parce que, bon, quand j'y jouais, j'étais en primaire. Voilà, ce sont des souvenirs très lointains. En tout cas, voilà, le conflit Vietnam... alors, je vais pas le reprendre avec Fireflav, hélas, parce que Fireflav... lui n'a vraiment plus le temps pour faire des vidéos sur... pour continuer à faire des vidéos. Ou alors, quelquefois, pour du Mario Kart. Hein, très rarement. Des petites vidéos défis. Mais bon, il ne pourra pas consacrer assez de temps pour pouvoir faire un let's play. Ah, le problème d'un let's play, c'est qu'il faut avoir un rythme assez régulier. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Un rythme régulier, vain Dieu. Il faut un rythme assez régulier, et au moins, voilà, à peu près une vidéo par semaine, hein, minimum. D'ailleurs, le conflit de Vietnam, je vais essayer de faire pas mal de parties en peu de temps. Donc il y aura beaucoup de contenu, hein. Attention, sur la chaîne Oliver Flamme. À partir de mi-décembre et fin décembre, il y aura pas mal de petits contenus. Voilà. Notamment avec Fish 39 ans déjà, qui s'étale en plusieurs parties. Mais aussi, il y aura aussi du contenu en janvier pour le Let's Play. Et pourquoi pas voilà, continuer avec Desert Storm, je ne sais pas, au mois de janvier. Donc il y aura beaucoup de contenu. Alors ça sera pas du contenu très qualitatif, hélas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que pour certains, peut-être que vous êtes content que je fasse un let's play, mais je pense que la plupart, enfin, il y en a qui aiment bien que je continue, voilà, sur Conflict Vietnam. Mais je pense qu'il y en a plus qui sont pour Super LoL Saga, la suite. Et bon, Super LoL Saga est quand même dans les tuyaux, et il y aura quand même au moins, j'espère, en janvier ou février, peut-être l'épisode 5. De Super LoL Saga. Par contre, il n'y aura pas un épisode par mois. Il y aura au moins une vidéo ou deux vidéos par mois après les let's play. Donc ça sera vers février. Là, il y aura moins de contenu sur la chaîne Oliver Flav. Ça sera plus du contenu qualitatif. Donc ça sera des vidéos du genre vidéo test, rétro test. Donc, des vidéos un petit peu plus préparées, où c'est un petit peu plus sérieux. Un petit peu plus, hein, ça reste assez freestyle quand même. Et puis il y aura aussi, voilà, j'essaierai de consacrer un peu de temps pour Super LoL Saga. Mais bon, ça sera un rythme encore inconnu, compliqué. Je ne sais pas, ça dépendra de mon humeur. Et puis du temps, si j'arrive bien à avancer aussi sur ma saga MP3, etc. Mais aussi, il y aura quelques tests, voilà, le nouveau format de la chaîne Oliver Flav. Ça faisait longtemps, car depuis un petit moment, il n'y a pas eu vraiment de nouveau format sur la chaîne Oliver Flav, alors qu'il y en avait souvent avant. À chaque année, il y avait quand même pas mal de nouveaux formats. Le Trackmania Editor, Mario Kart Chrono, le Time Trial, Parle le Caïd, qui d'ailleurs est un peu en suspens aussi, hélas.
Mais j'ai beaucoup d'idées hein, pour la suite de Parle le Caïd. Ce qu'il fait, c'est des sortes de tests, mais complètement freestyle, hein, les tests de Parle sur certains jeux. Dernièrement, on avait Soul Calibur 2. Et la suite, bah, ça sera sur Puyo Pop Fever. Voilà, je spoil. Pas grave. Mais bon, quand on voit l'ending de l'épisode 2 de Parle, on voit de quel jeu il s'agit. Hein. Il y a l'image. La suite. Et bon, ça sera une vidéo assez travaillée, ça. Et ça demandera pas mal de temps à la faire. Elle ne sera pas très longue, parce que généralement, voilà, les épisodes de Parne, ça sera que des vidéos de très courte durée, hein, entre 5 et gros maximum, mais vraiment je dis gros maximum, gros épisodes, c'est 15 minutes. Et voilà, peut-être que j'essaierai, voilà, en courant 2022, début 2022, de sortir un troisième épisode de notre très cher Parne. Parce que c'est quand même quelque chose qui me fait pas mal envie de continuer dans cette voie. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo de faire du petit test comme ça avec pas mal de blagues et puis voilà le fait que j'incarne un personnage complètement farfelu. Et puis d'autres personnages complètement farfelus qui arrivent, qui arriveront plus tard pour pouvoir rendre la fête plus folle, tout simplement. Par contre, il pleut tout le temps, c'est une catastrophe. On est en Bretagne ou comment ça se passe, les enfants? Attendez, je vais aller par là, tiens. J'ai l'impression qu'il fait toujours nuit. Pourtant, théoriquement, la nuit dure moins longtemps que le jour. Hein. Mais je n'ai pas l'impression dans ce Zelda. Enfin, pas théoriquement, sûrement. Ah là là, la fatigue. Si on se fait attaquer. Ah, ils sont pénibles ceux-là. Qu'est-ce que je disais déjà? Parce que voilà, on parlait de. On parlait de Parn. Voilà, Parn, voilà. Il va faire son grand retour. Alors ça veut pas dire que voilà, c'est comme Super LoL Saga, hein, ça sera un rythme un peu nawak. Mais bon, il sera présent en 2022. Ne vous inquiétez pas. Ça se trouve, il y aura qu'un épisode. Enfin, ça serait un peu triste. Hein. Mais bon. Et voilà, comme j'avais prévu, l'année 2021 déjà, bah, c'était une année où il n'y a eu pas énormément de contenu. C'était surtout du contenu un minimum qualitatif. À part au tout début où c'était. Voilà, au tout début de l'année, c'était le let's play sur Castlevania Dawn of Sorrow, donc des vidéos assez classiques. Et il y avait quand même l'épisode 2 de Parne. Ou c'était Noël 2020 plutôt, l'épisode 2 de Parne. Ah si, c'était Noël 2020 plutôt, je crois. Et bref. Et bon, il y a eu l'avancée de Super LoL Saga, mais il y a eu, il me semble, que deux épisodes. Donc, ouais. Ça sera un peu la même chose cette année. Voilà. Hélas, il n'y aura pas énormément de contenu, hein, contrairement à 2016, 2017, où là, il y avait vraiment beaucoup de contenu. Parce que je consacrais mon temps vraiment à Donf sur la chaîne Oliver Flamme. Je consacrais beaucoup de temps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien. Hein. J'essaierai voilà de maintenir un rythme assez régulier, voilà, j'essaierai de faire une vidéo toutes les 2 semaines, donc 2 vidéos par mois, ou gros minimum, enfin vraiment minimum de chez minimum, une vidéo par mois. Voilà, c'est pas beaucoup. Et si c'est une vidéo par mois, bah ça sera surtout des tests assez préparés. Et donc voilà, le nouveau format. Je n'arrête pas d'en parler, mais à chaque fois je me coupe. Le nouveau format de vidéo de la chaîne Oliver Flav, bah, ce sera tout simplement voilà, un format un peu plus. Voilà, ce sera des vidéos tests, mais un peu plus épurées et un peu plus travaillées.
surtout, ça sera presque tout le temps en voix off. Donc, c'est-à-dire que pour que je puisse me concentrer sur mon analyse, mon test, mon esprit critique, parce que sinon, voilà, si je joue en même temps, comme je le fais d'ailleurs là, eh bien je me coupe souvent et la vidéo part un peu en cacahuète. Mais bon, j'aime bien aussi ce style-là. Ce style-là, c'est vidéo test. Mais voilà, vidéo test et rétro test. Mais sinon, voilà, test tout court, ça sera des tests. Je n'ai pas trouvé vraiment de nom, ça se trouve, ça s'appellera pas test. Hein. Mais bon, je pense que j'ai fait un logo. Hein. Bon, ce n'est pas le logo final, mais bon, je pense que pour l'instant, je vais laisser ce logo-là. Qui n'est pas formidable, mais bon. C'est une référence au logo d'un de mes jeux préférés, d'Ubisoft. D'ailleurs, bah, ce nouveau format, et bah, il y aura une vidéo, voilà, une première vidéo de ce nouveau format à Noël. Donc, un test sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Un jeu de mon enfance que je compte faire, voilà, présenter sous ce nouveau format. Voilà, il y aura pas mal de contenu en cette fin d'année 2021. Il faut quand même finir sur une bonne note. Hein, malgré le confinement de mai. Voilà. Je ne veux point être grossier. Ce n'est point mon style. Le volcan, il est éteint depuis. Il n'est plus en éruption. Alors attendez, hop. Je regarde quand même vite fait dans mes notes. Enfin, mes notes sur mon téléphone. Hein. Nous sommes en 2021, vingt dieu. Tout se fait à l'arrache sur un téléphone. Hein, et si le disque dur, il plante, enfin, la mémoire flash, ah bah je l'ai un peu dans l'os. Alors voilà, j'avais mis Super Lost Saga suspendu, le nouveau format, bah bah c'est tout en fait. Voilà. Bah ça sera assez, ça ne sera pas très dense comme avant, au niveau du contenu. Mais voilà, j'essaierai de faire quelque chose de très qualitatif après le mois de janvier, donc à partir du mois de février. Et donc j'essaierai, en tout cas ce format de test là, où ça sera un minimum écrit, et puis ça sera structuré avec une arborescence, donc par exemple, je commence par, hop, les graphismes, hop, la durée de vie, ou est-ce que c'est bien comme ça, avec cette durée de vie là, ou est-ce que le jeu est trop court, est-ce qu'il est trop long, hop, la direction artistique, la jouabilité, voilà. Quelque chose de plus structuré. Et en même temps avec quelques petites anecdotes, hein, si je trouve des choses, ou si tout simplement j'en connais des anecdotes sur le développement du jeu en question. Enfin voilà, et puis j'essaierai, faudrait que je trouve la fonction. Parce que j'ai vu ça pour... parce qu'il y a des youtubeurs que je suis pas mal, c'est Naisho qui font des tests assez bien structurés. Je ferai pas aussi bien qu'eux, hein. Rassurez-vous. Non, parce que là, ça demanderait trop de travail. Trop de temps. Surtout que j'ai d'autres trucs à côté. En tout cas, voilà... sur leur vidéo, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut sélectionner directement sur la barre de défilement, enfin, je sais pas comment on appelle ça, quand on avance sur la vidéo YouTube, voilà, on a la ligne rouge de la vidéo YouTube en dessous, et quand on va dessus avec le curseur,
de la souris, eh bien, on a plusieurs étapes. Et Naisho, ben, ils ont réussi à mettre du coup, genre de 1 à 11 minutes de la vidéo, hop, introduction. De 11 minutes à 20 minutes de la vidéo, développement, l'histoire du développement du jeu. De 20 à 30 minutes, notre avis, graphisme, tout ça. Je pense pas que ça soit sorcier. Je pense que c'est assez facile, parce que surtout que même si YouTube est devenu une machine à gaz, une machine à gaz, c'est magnifique, une usine à gaz, ah, c'est stylé cette vue. Bon, c'est un petit spoil, hein. Peut-être que je mettrai, ah si, attendez, je vais un peu m'arrêter, on va le faire comment, peut-être comme ça plutôt, voilà, petit angle de vue, sympathique. Et peut-être que je mettrai ça en fond d'écran pour la vidéo. Fichtre 9 ans. Yeah. Fichtre 9 ans écrit dans le ciel, là. J'imagine déjà le truc. C'est stylé. Enfin, sauf que là, il pleut. C'est un temps assez pitoyable. Mais bon. En tout cas, voilà, ça doit pas être sorcier, surtout que voilà, même si c'est devenu un peu une usine à gaz avec les pubs, YouTube. Et puis même en plus, nous on n'est jamais monétisé, et pourtant je crois que vous recevez quand même des pubs. Donc même les YouTubeurs qui ne sont pas monétisés, qui ne gagnent pas d'argent en faisant leurs vidéos, et donc théoriquement il n'y a pas de pubs sur leurs vidéos, et bien il y a quand même malgré tout maintenant des pubs à cause de leur nouvelle politique à YouTube. Et puis maintenant le fait qu'ils ils arrêtent pas de vendre YouTube Premium, acheter un abonnement, voilà, abonnez-vous, YouTube Premium, payez comme si c'était Netflix, voilà. Ah, ils nous forcent, c'est gredin. Mais à côté de ça, voilà, par contre, je trouve que la nouvelle interface, enfin la nouvelle interface, au début j'avais peur, je trouvais pas génial, et au final, ils ont fait une fusion entre l'ancienne interface et le nouvel interface théorique qu'ils voulaient mettre en place à la base. Et au final, ils l'ont changé grâce à la communauté. Il y a eu quelques retours négatifs à propos de ce nouvel interface, et je peux comprendre, il était catastrophique. Et donc là, on a quelque chose, bon, je préférais quand même un petit peu l'ancien, mais c'est pas trop déconnant. Mais surtout, c'est plus simple par contre. Là, c'est un bon point, c'est plus simple pour les vidéos, pour faire des montages, comment dire, genre à la fin pour mettre des liens à la fin de la vidéo sur d'autres vidéos ou d'autres playlists. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Avant, il fallait passer par plein d'étapes, c'était vachement pénible et je le faisais au tout début, si vous vous souvenez, sur Super Hero Saga saison 1, et après j'ai abandonné. Et j'avais quand même laissé l'ending parce qu'il était stylé, mais on ne pouvait plus cliquer sur les vidéos parce que je ne mettais plus en place le truc. Parce qu'ils nous avaient bloqué d'ailleurs l'accès un moment pour ça. Car la plupart des utilisateurs de YouTube sont sur smartphone. Et avant c'était des libellés. Donc libellé, c'est ce qui nous permet, voilà, de. On clique dessus et hop, ça nous emmène à une playlist ou une autre vidéo. Donc les anciens libellés étaient compatibles que sur Microsoft, enfin que sur Windows. Sur PC. Et peut-être sur Mac, je ne sais pas. Mais pas sur smartphone. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont changé ça. Et bon, maintenant, c'est à la fois compatible smartphone et PC. Mais avant, voilà, au tout début, c'était un truc que compatible smartphone. Et ils interdisaient, du coup, les libellés compatibles PC. Donc, c'était un vrai bordel. Heureusement, maintenant, voilà. Maintenant, c'est rétabli. Ça s'utilise à l'ancienne, comme si c'était sur PC. Mais en même temps, c'est aussi compatible smartphone. Enfin, globalement, il peut peut-être avoir quelques problèmes des fois, mais globalement, ça marche plutôt bien. Ah, c'est magnifique, il fait beau, enfin. Enfin, vingt dieux, là, on est parti dans le sud de la France. Hop, avançons un petit peu. Tac.
Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, de toute façon... De toute façon, je ne vais pas vous en reparler de l'historique de la chaîne Oliver Flav. Alors, malgré moi, j'ai quand même... J'en ai parlé. Durant cette première partie. Mais voilà... c'est plus fort que moi. Mais bon, globalement, j'ai vraiment tout dit ce que je voulais dire. Voilà, c'est-à-dire, voilà... En résumant, voilà, Super LoL Saga suspendu. Nouveau format, test. Let's Play Jour de l'An. Donc, Let's Play Jour de l'An. Donc, à partir de 2 janvier, il va y avoir... le Let's Play Conflit Vietnam. Il y aura beaucoup de contenu sur les vidéos tests et rétro-tests. Voilà, normalement au moins un vidéo test ou rétro test par mois. Et Oliver Plasma, j'ai dit à peu près tout. Bon voilà. Sur ce, bah, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve sur la suite de Fichtre 9 ans. Vindieu, le lion rouge en débouche plus. Je pars pour Gamelon pour l'aider.